sociale des indépendants. La parole est à Monsieur Julien Aubert, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le Président, enfin. Enfin, après 3 années d'attente, nous voici donné la possibilité de discuter de l'avenir du régime social des indépendants. Depuis 2013, nous demandons ce débat. En janvier 2015, nous avons redéposé avec Bruno Le Maire et une centaine de députés centristes et républicains une demande de mission d'information. Cette fois-ci, le gouvernement a accepté de s'autosaisir. Il faut dire que les ressortissants du RSI battaient le pavé par milliers, mais la majorité a été suffisamment délicate pour nous laisser à la porte en missionnant 2 députés du même parti, M. Verdier et Mme Bulteau. Voilà pourquoi un groupe de travail des Républicains s'est constitué en dehors de la mission Verdier-Bulteau et a abouti à cette proposition de loi qui vous est présentée aujourd'hui. Des dizaines d'auditions, plusieurs séances en province avec des représentants du RSI, des experts comptables et des indépendants, une consultation en ligne, des centaines de messages de détresse de cotisants à bout de nerfs ont permis d'accoucher d'une réflexion en 12 articles. La manière dont s'est déroulée la commission des affaires sociales la semaine dernière m'a profondément attristé. Tout en partageant 99% de notre diagnostic, la majorité a écarté une à une les 12 propositions au nom du rapport Verdier-Bulteau rendu en septembre 2015, qui semble être devenu la potion magique du village gaulois. Le plus vibrant signal de cette ouverture d'esprit fut donné par Madame Bulteau, je cite, ouvrez les guillemets, « Laissez-nous travailler, laissez travailler le gouvernement avec le RSI sur la base des propositions qui ont été faites. Nous allons proposer qu'un représentant de l'opposition siège au comité de suivi. Je propose que nous rejetions toute la proposition de loi. » Madame Bulteau est bien généreuse d'avoir découvert le secret du feu et de nous faire l'aumône d'une braise refroidie. 3 faiblesses caractérisent d'ailleurs le raisonnement des rapporteurs. Premièrement, les rapporteurs se sont appuyés sur les données du RSI en reconnaissant spontanément qu'elles sont floues. Le rapport précise, page 13, que le RSI ne dispose d'aucune vision directe sur les flux d'encaissement et de paiement, et page 15, que les rapporteurs n'ont pas pu obtenir d'état précis et global des solutions de contournement existantes, du système d'information défaillant et de leur impact, la gestion des dysfonctionnements se faisant au prix d'un surinvestissement humain qui n'a pas été possible, je cite, de quantifier. Face à ce problème, nous proposons à l'article 8 de la proposition de loi un contrôle accru par la Cour des comptes du RSI. Deuxième faiblesse, malgré ce manque de données précises, les rapporteurs prennent pour thèse principale, page 8 de leur rapport, que les anomalies constatées aujourd'hui naissent au contraire du fait que le RSI fonctionnerait mieux qu'avant, ce qui aurait fait ressurgir des problèmes de taxation pour les années où le RSI fonctionnait mal et serait générateur d'incompréhension ou de colère. C'est contre-intuitif et surtout faux, car malheureusement, les dysfonctionnements perdurent bel et bien, comme le démontre d'ailleurs en page 14 le rapport, qui explique, je cite, ouvrez les guillemets, qu'il est à craindre qu'une part non négligeable des dysfonctionnements soit appelée à perdurer tant que l'architecture des systèmes d'information ne sera pas totalement revue et transformée, ce qui démontre bien qu'un ripollinage ne suffira pas. Les dysfonctionnements du RSI ont une cause structurelle, très bien soulignée par le rapport, liée à son organisation informatique. Troisième faiblesse, les rapporteurs se trompent d'outils et de combats en proposant de s'appuyer sur un RSI New Age pour restaurer la confiance, alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes que le climat de défiance envers le régime n'a cessé d'empirer depuis la fin de l'année 2014 pour des raisons structurelles, et alors même que Marisol Touraine, ici même en novembre 2013, dans le cadre du PLFSS 2014, pronostiquait, je cite, ouvrez les guillemets, que l'année 2014 verrait la résolution de ces problèmes. On ne résout pas les problèmes de logistique d'une entreprise en nettoyant la vitrine. Faute de pouvoir recommander le changement de la colonne vertébrale informatique du RSI, le rapport multiplie les mesurettes cosmétiques. Il propose d'améliorer la qualité de service par Internet, alors qu'il, à page 11, démontrait lui-même que seulement 1/3 des assurés utilisent les moyens dématérialisés. Il suggère de rendre plus lisibles les courriers du RSI en revoyant les modèles de lettres, alors que le problème est plutôt dans les additions de chiffres. Il promeut naïvement les réunions Tupperware des partenaires pour faire la sensibilisation. Là où le rapport Verdier-Bulteau propose de l'homéopathie pour patienter, nous, nous réclamons des antibiotiques pour guérir. Nous proposons dans cette proposition de loi, en attendant la chirurgie lourde, que ces dysfonctionnements structurels n'handicapent pas la vie des entreprises et que ce soit le Parlement qui restaure la confiance dans le RSI en le contraignant à une réforme copernicienne.
Il faut passer d'un régime qui considère tout ressortissant comme un fraudeur en puissance à un régime où ce serait au RSI de prouver la mauvaise foi ou le mauvais calcul du cotisant. Nous proposons à l'article 1 de notre proposition de loi l'arrêt du recours systématique aux huissiers, sauf décision du tribunal. L'action 16 du rapport Bulteau propose de privilégier la signification des actes de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception plutôt que par huissier, je cite, « pour les cotisations d'un montant peu élevé ». C'est esquiver le problème central qui est que le régime demande des sommes astronomiques qui, même après la réforme Verdier-Bulteau, seront réclamées par huissier, alors même que ces demandes ne sont pas fondées en droit. Voilà pourquoi notre formulation nous semble plus opérationnelle. Nous proposons, pour diminuer les contentieux, d'établir dans l'article 2 une obligation de recourir au médiateur du RSI avant toute procédure contentieuse. Voilà qui est complémentaire de la 12e axe d'action du rapport Verdier-Bulteau, qui prévoit plus de médiateurs de terrain pour résoudre les litiges. Le rapport met l'accent sur un recours personnalisé par téléphone avant d'envisager un recouvrement forcé. C'est un vœu pieux, le RSI étant connu pour ne pas arriver à gérer les appels entrants, faute de moyens humains suffisants. Le taux de décrochés au téléphone, et ce sont les chiffres du même rapport, est 10 points inférieur à celui du régime général, en sachant que pour certaines caisses, le taux de décrochés au téléphone est encore 15 points inférieur à la moyenne des caisses. Le rapport Verdier-Bulteau note la relative volatilité des flux de ressortissants au RSI, avec 480 000 sorties du régime pour 520 000 entrées entre 2012 et 2014. Nous pensons qu'une partie de ces sorties est explicable par une fuite vers le régime général. D'où l'article 4 de notre proposition de loi qui permettrait aux indépendants de s'affilier au régime général sans modification de leur statut. Nous saurions ainsi combien d'indépendants migrent pour échapper au travers du RSI. Notre proposition est plus ambitieuse et plus simple que le rapport Verdier-Bulteau qui en trouve la même possibilité, mais uniquement pour un assuré relevant de plusieurs régimes pour les seules prestations d'assurance maladie. Nous proposons, via l'article 5 de la loi, de donner la possibilité aux indépendants d'auto-calculer et liquider leurs cotisations et contributions sociales. Nous rejoignons ainsi le vœu émis par les rapporteurs socialistes qui souhaitent timidement qu'un test limité géographiquement soit mis en place, en revoyant à la marge le dispositif actuel en attendant. L'article 7 de la proposition de loi simplifie les relations URSSAF-RSI en transférant l'intégralité du recouvrement au premier. Ceci fait écho à votre rapport qui dit que l'organisation bicéphale au plan national comme régional est source de complexité, peu lisible pour les assurés, et vous dites « il reste à clarifier les compétences et la responsabilité de chacun des deux partenaires ». Le PLFSS 2016 prévoyait de faire exactement la même chose, mais de manière plus timide. Le rapport Verdier-Bulteau acte la nécessité, c'est votre action 15, d'allonger les délais laissés aux indépendants pour régulariser leur situation après une mise en demeure, mais sans précision et surtout sans s'interroger sur les dysfonctionnements qui peuvent provoquer des mises en demeure intempestives. Nous proposons à l'article 9 un étalement du règlement des cotisations en cas de difficultés financières, sans majoration de droit jusqu'à 36 mois. Cette proposition simple permettra de lisser, comme à la MSA, la variabilité saisonnière d'activité et de donner plus de souplesse, notamment pour amortir le choc d'un commandement à payer qui ferait l'objet d'une contestation. Nous proposons à l'article 10 un envoi régulier du relevé récapitulatif des cotisations retraite à partir d'un certain âge, ce qui répond à la constatation faite par le rapport Verdier-Bulteau. Je cite « Le RSI n'est pas en mesure de faire régulièrement l'information de ses assurés au titre du droit à l'information et nombre d'assurés rencontrés par la mission l'ont déploré et vous faites la demande d'une systématisation de l'information des assurés ». Nous proposons à l'article 11 un droit opposable à la retraite, avec une pension de retraite 4 mois après la demande faite par le cotisant. Votre rapport reconnaît que le nouvel outil de gestion des retraites livré en 2013 a généré, je cite, un retard très important dans la mise en œuvre des droits des assurés. Seuls 56% des dossiers de mise en paiement des droits propres le sont dans les délais. Enfin, les articles 3 et 12 de la proposition de loi évoquent l'idée, non abordée par votre rapport, de mener deux études, l'une sur l'indemnisation des naufragés du RSI, ceux qui ont tout perdu du fait des dysfonctionnements passés, l'autre sur la création d'un bouclier social des indépendants, de manière à plafonner les cotisations et que les indépendants conservent un revenu minimal décent, fruit de leur travail. Mes chers collègues, je me permets, après tous ces développements techniques, un petit mot personnel et une mise en garde solennelle. La situation sociale de notre pays est extrêmement dégradée. J'ai moi-même eu au téléphone des entrepreneurs tentés par le suicide ou qui sont plongés en pleine dépression. Depuis le départ, nous tenons le même discours. La responsabilité de la droite est de reconnaître qu'elle a initié une réforme qui ne s'est pas bien déroulée en 2006-2008 et de proposer une solution.
Votre responsabilité de majorité est de sortir du jeu de théâtre « c'est pas moi, c'est toi » et d'accepter que si nos 12 propositions ne sont pas forcément la solution unique, il y a lieu de les discuter, de les amender et de travailler de manière constructive. Une démocratie mature se caractérise par la capacité qu'ont les parlementaires à coopérer lorsque l'urgence se fait sentir. Depuis plusieurs semaines, j'ai rencontré des centaines d'indépendants. Le simple fait de prononcer le mot RSI leur fait lever les yeux au ciel. Vous commettriez une faute politique grave en jouant un coup tactique permettant d'envoyer cette proposition de loi aux oubliettes. Si vous vous essuyez les pieds aujourd'hui sur le malheur du peuple, ne vous étonnez pas de sa colère. Sur d'autres plateaux et en d'autres lieux, on se désespère de la montée du vote protestataire ou de l'abstention et on invoque la République comme barrage. La République, c'est l'UDI, les Républicains, le Parti Socialiste. Il est bien de l'évoquer, il est mieux de la faire vivre. Dans les faits, en mettant de côté les querelles de paternité puérile et en agissant. Posez-vous la question, mes chers collègues. Pourrez-vous expliquer demain aux artisans, commerçants et indépendants de vos circonscriptions et de vos communes, les yeux dans les yeux, que cette proposition de loi était inutile et que rien de bon ne pouvait venir d'un texte cosigné par un tiers de la représentation nationale? Comme le disait Winston Churchill, la stratégie est belle, c'est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Merci, monsieur.